les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Question de la semaine, votre émission qui permet de découvrir des expressions et locutions françaises. Nous sommes à Dakar, c'est au Sénégal, juste derrière moi. Vous avez aperçu le monument de la Renaissance. Et aujourd'hui, nous avons une question très intéressante pour tous nos amis qui nous suivent et surtout ceux qui sont à Dakar. Être un panier percé, c'est bien l'expression à définir cette semaine. Nous allons chercher cette signification dans les artères de la rue de Dakar. Être un panier percé, QS Dakar, ça commence maintenant, on y va. Être un panier percé, ça signifie quoi pour vous? Être un panier percé. Être un panier percé. Être un panier percé. Un panier. Un panier. Non, j'ai pas bien. Comment vous comprenez ça? Si ça devrait avoir une signification, quelle signification devrait-elle avoir cette expression? Être un panier percé. Bon, là, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Allez-y, vous êtes un homme de lecture, vous savez que parfois il faut tenter. Comment? Quelque chose, ça signifie quoi pour vous? Ça pourrait signifier quoi déjà? Bon, le mot m'échappe. Hein. Être un panier percé, c'est ça l'expression? Oui, c'est ça. Vous avez internet? Bien sûr. Écrivez être un panier percé, on va voir ça signifie quoi. On va peut-être avoir la signification avec vous aujourd'hui. Vous allez faire la lecture de la définition, on verra, ça donne quoi? C'est quoi un panier percé? Voilà. Dépenser sans compter. Dilapider. Être un panier percé, c'est ça. J'espère que vous n'êtes pas un panier percé. Hein.